Deuxième lettre à Timothée. Introduction. La deuxième lettre à Timothée contient les dernières recommandations de l'apôtre Paul. Paul est en prison. Il est abandonné par beaucoup. Il sait qu'il va bientôt mourir. Il dit adieu à Timothée, son compagnon de travail, qu'il aime comme un fils. La lettre rappelle la vie de Paul, son travail comme apôtre, son enseignement, ses souffrances à cause de la bonne nouvelle. L'auteur donne des conseils à Timothée. Il l'encourage d'abord à prendre sa part de souffrance dans le travail pour le Christ. Il lui recommande ensuite d'annoncer correctement la parole de Dieu. Pour cela, Timothée doit éviter les querelles de mots, tourner le dos à ceux qui commettent des erreurs, imiter la conduite de Paul. Et avant tout, il doit être fidèle à ce que Paul et les autres maîtres chrétiens ont enseigné. Quand les premiers grands témoins de Jésus disparaissent, ceux qui continuent leur œuvre après eux suivent leurs traces. Pour cela, ils ont à garder fidèlement le message qu'ils ont reçu de leur maître. Ils doivent aussi lire les livres saints. À l'époque où les lettres à Timothée sont écrites, ces livres sont ceux de l'Ancien Testament et peut-être déjà certains écrits du Nouveau Testament. Tous ces textes sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Chapitre 1. Salutation. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Je suis chargé d'annoncer la vie promise que le Christ Jésus nous donne. Timothée, mon fils très aimé, c'est à toi que j'écris. Que Dieu le Père et le Christ Jésus, notre Seigneur, te bénissent, qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix. Paul remercie Dieu. Nuit et jour, quand je prie, je dis toujours ton nom. Et je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres l'ont fait. En me rappelant tes larmes, j'ai très envie de te voir pour être rempli de joie. Je me souviens de la foi sincère qui est en toi. C'était déjà celle de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice, et cette foi est en toi aussi, j'en suis sûr. Le beau trésor confié à Timothée. C'est pourquoi je te rappelle ceci. Garde bien vivant le don de Dieu que tu as reçu quand j'ai posé les mains sur ta tête. En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis en prison pour lui. Mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle avec la puissance de Dieu. Dieu nous a sauvés, et il nous a appelés pour que nous soyons à lui. Il n'a pas fait cela à cause de nos actes, mais parce qu'il l'a décidé. C'est un don gratuit qu'il nous a fait dans le Christ Jésus, avant que le monde existe. Maintenant, ce don est devenu visible quand notre Sauveur, le Christ Jésus, est apparu. C'est lui qui a enlevé son pouvoir à la mort, et par la bonne nouvelle, il a fait connaître la vie qui ne meurt pas. Dieu m'a chargé d'annoncer cette bonne nouvelle comme apôtre et de l'enseigner. C'est pour cela que je souffre maintenant, mais je n'en ai pas honte. En effet, je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'en suis sûr. Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ce qu'il m'a confié. Prends comme modèle les paroles vraies que tu as reçues de moi. Tu les as reçues avec la foi et l'amour que le Christ Jésus nous donne. On t'a confié un beau trésor. Garde-le avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur montre sa bonté à la famille d'Onésiphore. En effet, il m'a souvent encouragé et il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché partout et il m'a trouvé. Que le Seigneur Jésus lui donne de recevoir la bonté de Dieu le jour du jugement. Oui, tu sais très bien tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. Chapitre 2. Conseil pour être un bon soldat du Christ. Toi, mon fils, cherche à devenir toujours plus fort grâce à l'amour du Christ Jésus. Ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins,
confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Les fruits de la récolte sont d'abord pour le cultivateur qui a beaucoup travaillé. Réfléchis à ce que je dis, et le Seigneur te fera tout comprendre. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il s'est réveillé de la mort. Il est né dans la famille de David, son ancêtre, selon la bonne nouvelle que j'annonce. À cause de cette bonne nouvelle, je souffre et je suis même attaché avec des chaînes comme un bandit. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis. Alors, eux aussi seront sauvés par le Christ Jésus, et ainsi ils auront la gloire qui dure toujours. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous résistons avec lui, nous serons rois. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit. L'annonce correcte de la bonne nouvelle. Rappelle cela à tous. Devant Dieu, demande-leur avec force de ne pas se battre sur les mots. Cela ne sert à rien, sauf à démolir ceux qui écoutent. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Évite les discours creux et contraires à la foi. Oui, ceux qui les font s'éloigneront de Dieu de plus en plus. Leurs discours seront comme une plaie infectée qui s'élargit. Parmi ces gens-là, il y a Hyménée et Philette. Ils se sont éloignés de la vérité. Ils disent que Dieu nous a déjà relevés de la mort et ainsi, ils renversent la foi de certains. Pourtant, les solides fondations que Dieu a posées résistent. Voici les paroles qui sont écrites sur elles. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et encore, celui qui dit « J'appartiens au Seigneur » doit s'éloigner du mal. Dans une belle maison, il n'y a pas seulement des plats en or et en argent. Il y a aussi des plats en bois et en terre. Les uns servent les jours de fête, les autres servent tous les jours. Celui qui se débarrasse de ses enseignements faux, il ressemble à un plat qu'on utilise les jours de fête. On le gardera pour le Seigneur. Il sera utile à son maître et il servira pour faire tout ce qui est bien. Pas de discussions inutiles et stupides. Fuis les désirs mauvais de la jeunesse. Cherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui prient le Seigneur d'un cœur pur. Mais rejette les discussions inutiles et stupides. Tu le sais, elles provoquent des disputes, et un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Il doit être aimable avec tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques. Il doit répondre avec douceur à ceux qui sont contre lui. En effet, Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer leur façon de penser pour connaître la vérité. Ils sortiront des pièges de l'esprit du mal qui les retenait prisonniers. Ils ne feront plus sa volonté, et ainsi, ils pourront de nouveau penser correctement. Chapitre 3. Ce qui arrivera dans les derniers jours du monde. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne le dos à ces gens-là. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons. Et ils prennent dans leur piège des femmes faibles, chargées de péchés, qui n'ont pas une foi solide. Ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs. Elles sont toujours en train d'apprendre, mais elles ne peuvent jamais arriver à connaître la vérité. Autrefois, Jannès et Jambrès étaient contre Moïse. De même, ces gens-là
sont contre la vérité. Ce sont des hommes qui ont l'intelligence tordue, et leur foi ne vaut rien. Mais ils n'iront pas très loin. En effet, tous verront leurs erreurs, comme autrefois on a vu les erreurs de Jannès et de Jambrès. L'utilité des livres saints. Mais toi, tu m'as suivi en tout. Tu as écouté mon enseignement. Tu as imité ma conduite. Tu as connu mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma fidélité. Tu sais les dures attaques et les souffrances que j'ai connues à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystre. Oui, j'ai beaucoup souffert. Pourtant, le Seigneur m'a délivré de tout cela. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Mais les gens mauvais et les charlatans iront toujours plus loin dans le mal. Ils tromperont les autres et on les trompera à leur tour. Toi, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Tu sais quels maîtres t'ont appris cela. Oui, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand on croit en Jésus-Christ. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Chapitre 4. Dernière recommandation de Paul. Voici ce que je te demande avec force, devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts et qui va paraître comme roi. Annonce la parole de Dieu. Insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Corrige les erreurs. Fais des reproches et encourage avec beaucoup de patience en cherchant toujours à enseigner. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste, mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Mais toi, sois raisonnable en toutes choses. Supporte la souffrance. Travaille à annoncer la bonne nouvelle, sois un parfait serviteur de Dieu. Pour moi, voici le moment où ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Je vais bientôt mourir. J'ai combattu le beau combat, j'ai fini ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la juste récompense que le Seigneur, le juste juge, va me donner le jour du jugement. Il me la donnera à moi, mais il la donnera aussi à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra. Remarque personnelle. Tâche de venir me rejoindre très vite. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique. Crescens est parti en Galatie et Tite en Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Il m'est très utile pour le service de Dieu. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le vêtement que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte aussi les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui donnera ce que ses actes méritent. Méfie-toi de lui, toi aussi. En effet, il s'est opposé durement à ce que nous avons dit. La première fois que je me suis défendu au tribunal, personne ne m'a aidé. Tous m'ont abandonné. Que Dieu ne les punisse pas. Mais le Seigneur, lui, était auprès de moi. Il m'a donné sa force. Alors j'ai pu annoncer jusqu'au bout la bonne nouvelle. Tous ceux qui ne sont pas juifs l'ont entendu, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de tout mal. Il me sauvera en me faisant entrer au ciel, dans son royaume. Rendons gloire au Seigneur pour toujours. Amen. Salutations. Salut Priscille et Aquilas, et aussi la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe. J'ai laissé Trophime à Milet parce qu'il était malade. Tâche de venir avant la mauvaise saison. Eubule, Prudence, Linus, Claudia, ainsi que tous les frères et sœurs chrétiens te saluent. Que le Seigneur soit avec toi. Qu'il vous bénisse tous.